Ja. Natürlich, mein Herr. Ja. Jawohl. Prépare-toi, salopard. Tu vas recevoir de la visite. Jeune Morel, nous allons avoir une petite conversation tous les deux. Je suis le colonel Gribman. Mon nom ne vous dit peut-être rien. Mais l'organisme pour lequel je travaille vous dit certainement quelque chose. Die Geheimstadt Polizei. Autrement dit la Gestapo, Monsieur Morel. Mon travail consiste à démanteler les réseaux terroristes. Admettez-vous, Monsieur Morel, avoir aidé à transmettre les informations de la zone libre vers la zone occupée au profit d'un réseau terroriste? Monsieur Morel? Tout a commencé en 1941. Ma maison se trouvait en zone libre, non loin de la ligne de démarcation. J'étais un étudiant banal, sans histoire. Ma vie a basculé le jour où j'ai été convoqué par le recteur de Castillon, le père André Bazin. Avant ce jour, je n'avais jamais parlé avec lui. Ce jésuite prestigieux gardait ses distances avec les élèves. C'était un homme concentré, le visage d'une grande intelligence. C'est vous, Morel, je vous attendais. Écoutez, je ne vais pas vous prendre en confession maintenant. Si je vous ai fait venir, c'est parce que je voudrais vous entendre sur un point. Avez-vous quelque chose de particulier à m'avouer? Je ne vois pas de quoi vous voulez parler, monsieur l'abbé. Vous n'avez donc rien à vous reprocher? Des liens s'établirent dans mon esprit. Faisait-il allusion à une mauvaise note ou à quelques coups pendables que j'avais pu faire à l'un de nos surveillants? Vous faites de la bicyclette, n'est-ce pas? Oui. Vous aimez ça? Oui, beaucoup. Et dites-moi, que faites-vous avec cette bicyclette? Que voulez-vous dire? Eh bien... Passez-vous votre temps à faire le tour du quartier? Ça doit être ennuyeux à la longue. Est-ce que je me trompe? Non. Vous allez donc un petit peu plus loin que votre quartier? Oui. Même beaucoup plus loin? Oui. Alors permettez-moi de vous poser une nouvelle fois la question. Auriez-vous quelque chose de particulier à m'avouer? Oui, monsieur l'abbé. Je vous écoute. Comme je pense, vous avez pu l'entendre. Il m'arrive de traverser la ligne de démarcation. À quand remonte la dernière fois? Hier. Vous rendez-vous compte des risques que vous prenez?
Les soldats tirent sans sommation en cas de franchissement illégal de la frontière. Qu'en penseraient vos parents s'ils étaient au courant ? Ils le sont, monsieur l'abbé. Une réprimande, sans trop insister non plus, car je leur rends service. Et comment procédez-vous ? J'ai trouvé une combe dans la propriété d'un ami de la famille. Elle est à l'écart des passages contrôlés. Tous les jours, vous passez cette frontière artificielle. Tous les jours, vous mettez votre vie en danger. Vous me dites que vous rendez service à vos parents ? Oui. Seriez-vous prêt à rendre service à la France ? Bonjour Eugène. Quelle lourde responsabilité. Choisir un élève dont on a la charge pour lui confier une mission qui peut le mener à la mort. En quelques instants, en effet, j'étais devenu un agent de liaison entre la zone libre et la zone occupée. Pouvez-vous transporter un paquet contenant une correspondance ? N'y a-t-il aucun risque ? Je n'ai jamais eu d'ennui. Je connais très bien le coin. J'ai eu la chance d'être intégré dans un véritable réseau professionnel. On me confia plusieurs missions au-delà de la ligne de démarcation pour passer des valises dont j'ignorais le contenu. Je suis entré dans la résistance en février 1941. Mais d'une certaine manière, on a décidé pour moi. Je renouvelle ma question, monsieur Morel. Admettez-vous avoir facilité la transmission de l'information de la zone libre à la zone occupée au profit d'un réseau terroriste? Seriez-vous prêt à rendre service à la France ? Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Comme vous voudrez, monsieur Morel. Soyez donc semblable à la nuit et au brouillard. Disparaissez.